Bonjour, aujourd'hui on va cuisiner avec notre ami Jeff. Alors Jeff, c'est quoi que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu fais? Parlez plus fort, on ne vous entend pas. Qu'est-ce que tu crèves ces sept? On vient voir vos recettes spéciales et super joyeuses. Oh, merci. Alors, ça a l'air bon ce riz ou poulet. Premièrement, on met de l'eau. Et deuxièmement, nous mettons le riz. Troisièmement, nous mettons la poudre qu'on vient de faire. Et vous allez utiliser cette poudre-là? Oui! Alors, je vais le montrer aux téléspectateurs. J'ai manqué mon tir, mais c'est pas grave. Vous allez voir après la pause. On va vous le montrer. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'objet qui est inutile, qu'on doit utiliser? À moins que tu fasses comme dans Riddick, tu fasses, je vais te tuer avec ma tasse, tu m'entends que c'est pas une tasse. Puis là, tu l'écrases sur le comptoir, puis tu fais... Sinon, est-ce qu'on peut l'utiliser comme... tasse pour boire de l'eau? Très ingénieux! Oui! Ah! Le feu coupé! Ah! Ah! Oh, regarde! Ah! Ça va-tu? Regarde! Ah! Ah! Regarde! Attends, regarde! Regardez deux secondes là-bas! Ok. Étant donné qu'Adèle est découpée, ça va-tu, David? Ouais! Ok, ok, il est correct. Pour la savoureuse cuisine, ils font bien brasser comme du monde. Ouais. Ouais. Bien étendre avec toute cette affaire-là. Est-ce que Jeff, on peut brasser avec nos mains aussi? Vous le conseillerez pas. Mais moi, je vais essayer pour montrer au public qu'il ne faut jamais le faire. Alors, brassons avec nos mains. Ah! Ah! C'est chaud! Au! Bacadette! Bacadette, c'est ça! Tu es en train d'écrire! Con. Sinon, on peut mettre une tranche de pain. Regardez comme c'est facile. C'est bon la soupe, ça! Recrache! Bon. Avec Scott Towel, quand il y a un dégât, c'est facile à réessuyer. Regardez, vous en mettez deux par terre, et vous en mettez un sur le dessus, et vous ramassez. Oh, c'est pas... Ah! Et vous essuyez le tout, et vous l'étendez sur Jeff. Ah oui. Merci, mon dos. Alors, il nous reste qu'à mettre le riz dans le bol. Et le riz dans l'autre bol. Alors, il faut faire comme ceci. Il faut prendre les deux bols et on les met. Mais c'est pas prêt! C'est pas prêt? Non. Ben, on va attendre que ce soit prêt, ce serait intelligent. Puis pour pas salir nos bols, on va mettre des mouchoirs. Si tout le monde sait qu'on veut pas attraper des H1N1. Ton oiseau m'énerve! Ta gueule! Mon oiseau m'énerve! Quoi? Veux-tu l'acheter à ta recette? Ouais, pourquoi pas? Non, c'est... Alors, on va aller chercher le chien. Car tout le monde sait que dans la bouffe asiatique, il y a du chien. Alors, voici notre chien. Je t'aime. Et où le bol? Okay. Le là-dedans. Alors, il ne reste plus qu'à servir. Je sens déjà la bonne odeur. Yummy! C'est très... Je me suis fait avec la main. Ah. Mais c'est super ça! Et tout le monde le sait, avec Chamois, tout est réglé. Hey! Il en reste encore! Là-dedans, hein?
Hey, vous pouvez servir à vos amis! Hein, ma ceinture? Ben, tenez! Et maintenant, on va manger la mixture tout le monde ensemble! Pour montrer comment bon est notre recette! D'ailleurs, quels sont les ingrédients ajoutés dans la recette? Voulez-vous en manger pendant que je vous l'explique? D'accord! Non seulement il y a du poulet, mais il y a aussi des excréments de vache. Quoi? Vous avez bien entendu. Mais ça reste bon quand même. Alors ça en fait plus pour moi. Vraiment bon! Voyons ce que fait notre ami Jeff. Qu'est-ce que tu faisais? Rien. Et bon! Parfait! Alors, c'est tout pour cette émission. Vous pouvez acheter ceci en ligne. Alors, je vous remontre tranquillement ce qui se passe quand je vous montre la marque de la boîte. Préparez-vous à la regarder. Avez-vous eu le temps de la voir cette fois-ci? Moi non. Ben si. Là, je me suis vraiment kiffé avec un morceau de riz.